confrérie des Chevaliers des Minimes ou encore confrérie de la Quenelle sauce Nantua. Elles étaient en tout 30 à avoir répondu à l'invitation de la confrérie à l'honneur ce jour-là, celle des Cardons de Vaux-en-Velin. La confrérie a été créée en 1993 pour promouvoir la culture et le savoir-faire du Cardon de Vaux-en-Velin. Parce que, disons, avec le Rhône qui déborde de temps en temps, qui amène de bons alluvions, le Cardon du Velin a une particularité gustative. Viticulteurs, bouchers, maraîchers, tous étaient réunis pour défendre leurs produits et leur savoir-faire. Mais c'est avant tout l'occasion pour tous ces amoureux de la gastronomie de passer un bon moment ensemble. Nous sommes en famille, hein, pour ainsi dire. Nous nous connaissons tous, puisqu'on se voit relativement souvent. Et effectivement, on en profite pour se transmettre les qualités de nos produits et que les autres confréries deviennent aussi, quelque part, les ambassadeurs de notre produit. C'est très important pour faire connaître les belles productions de nos terroirs français. Je dirais même que c'est indispensable, c'est un facteur primordial pour faire connaître tous nos bons produits. Chaque année, de nouveaux ambassadeurs sont intronisés dans chaque confrérie pour que les spécialités qu'elles représentent continuent d'être connues et reconnues.